Comment vas-tu, Yanka? Ça roule comme tu veux? Ah, super bien, impeccable. La pêche. Comme je dis toujours, sauf quand... Bon, bref, comme je dis toujours, ne pas aller bien, c'est flinguer sa journée. Donc je vais toujours bien, sinon c'est pas bien, sinon c'est pas cool, on fait rien. Mais bon, c'est pas toujours possible, hein. Mais on fait toujours pour que ça aille. Alors, tu écris un petit peu, t'es ou t'es juste venu voir comment je me démerde devant ma caméra? T'es passé faire un coucou? Ah, je sais, t'es venu m'espionner pour les copines. Pour raconter aux copines. Ah oui, c'est dur de se lancer, on est d'accord. Ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est une bonne histoire. Donc il faut l'écrire. Il faut d'abord écrire ton histoire. Qu'est-ce qui est dur de... Comment est-ce que c'est dur de se lancer, dis-moi? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? T'as pas l'idée, t'as pas le scénario, t'as le scénario et l'idée, mais tu sais pas sous quel angle aborder ta BD ou ton roman. Qu'est-ce qui te bloque, dis-moi? Qu'est-ce qui est dur de se lancer? Ou c'est juste parce que t'as autre chose à faire en même temps? Ah, comment établir un scénario qui tient la route? Eh bien, si, eh bien, si, cet essai de première vidéo, qui est en fait la deuxième, mais la première, elle a disparu dans les méandres des serveurs de Twitch, hein. Mais si cette vidéo est un succès, c'est-à-dire si je dépasse les 5 fans, les 5 lecteurs, eh bien... Et bien, il y a de fortes probabilités que j'en fasse d'autres. Alors, j'ai pas la prétention d'être un auteur reconnu avec méthode et tout, mais ce que moi j'utilise pour écrire mes histoires, je me dis que je peux peut-être le partager. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, reste à l'écoute et abonne-toi à la chaîne de Robert Forge. Ça te fait rire, toi, ouais? Absolument. Mais j'y compte bien. Bien sûr, bien joué. Salut, vous.
Je suis ravi de te compter parmi mes followers. Ça fait blou blou, t'as entendu? Ben, ça veut dire que j'ai un nouvel abonné. Mais en fait, c'est une copine. Bien! Nous sommes trois! Ah, plus que deux lecteurs et je fais une deuxième vidéo. Amène tes potes! Bon, et eh ben écoutez, puisque vous êtes là et que ça fait déjà un quart d'heure, ouais, non, 10 minutes, que c'est déjà passé l'heure du début, et eh ben je vais commencer le début. Pardon, je viens de boire un thé, forcément, faut le digérer après, donc voilà. J'éructe, pardon. Alors, avant de faire quoi que ce soit d'autre, hein, je vais vous faire une petite promo pour mon bouquin. Dont je viens juste de modifier la couverture. C'est tout l'art d'avoir toute la chance d'être en auto-édition. C'est de pouvoir faire ce qu'on veut avec le bouquin quand il est en ligne. On n'est pas lié au fait qu'il y ait 200 000 exemplaires à vendre. Voilà, pour un best-seller, c'est logique. Donc là, non, donc là, j'ai changé la couverture et donc le Nouvelle Conscience, Nouvelle Peau, vient de voir le jour il y a 3 semaines maintenant, 3 semaines à moi. Et donc, il est à disposition. Donc c'est l'histoire de trois développeurs qui développent une intelligence artificielle qui saura répondre à toutes les questions que se pose l'humanité. Mais dans les trois développeurs, ils s'entendent pas très très bien. À un moment donné, il y a un truc qui se passe. 42. Oui, et eh oui, Solid Snake, c'est tout à fait. C'est la réponse qui est juste à la fin du bouquin. Merci d'avoir spoilé. Et donc, il y a un accident, donc la police doit s'en mêler, et donc ça part en enquête policière. Qui met aux prises donc le lieutenant de police Grégory Clément et un hacker insaisissable. Mais qui est ce hacker insaisissable? Vous ne le saurez qu'à la fin du bouquin, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est mon bouquin. Mais mon bouquin, en fait, c'est pas le seul dont je voulais faire la promo. C'est que j'ai deux, trois petites interviews qui sont sorties il y a quelque temps sur partagedelecture.overblock.com. Catherine a eu la gentillesse de m'envoyer quelques questions auxquelles j'ai répondu. C'est un exercice qui est rigolo à faire parce que ça permet de s'auto-analyser, de faire quelques petites choses, voilà, d'écrire des trucs rigolos sur moi et sur la façon dont j'ai écrit mes bouquins. Donc, partageoverblog.com. Et puis, Mélanie Boukine, sur son blog, bah, fait la même chose. Donc, son article dans l'univers de RG Forge, c'est aussi la même chose. C'est une suite de questions qui ne sont pas les mêmes que Catherine tout à l'heure. Et donc là, je réponds aussi à des questions. Donc, Mélanie Boukine, c'est aussi donc un blog voilà, qui parle de moi. Et quand on parle de moi, j'aime bien. Ouais, ça fait un peu. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et puis, pour terminer, les lectures d'Angélique. Alors là, elle parle pas de moi. Elle parle pas de mon bouquin non plus. Mais elle va le faire. Et donc, l'idée, voilà, c'est de vous dire que voilà, bientôt, dans les lectures d'Angélique, vous aurez une chronique sur Nouvelle Conscience. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Et ça, c'est chouette. C'est parce que ça me permet, moi, de voir qu'il y a des gens qui aiment ça. Donc même si j'ai 13 commentaires avec une bonne note au-dessus de 4 sur Amazon, eh bien ça me permet de voir que voilà, les gens qui aiment arrivent aiment tant que ça qu'ils en partagent leur avis. Voilà. Alors il y a un autre site dont je ferai la promo un petit peu plus tard. On verra après. Alors donc, hop, je vais passer en mode principal. Et dans ce mode principal, je vais vous présenter donc un logiciel qui s'appelle le Bibisco. Bibisco, c'est donc un logiciel d'écriture. Alors, je vais juste rien. Je vais juste regarder mon Twitter. Ok, très bien. Pouf. Voilà. Donc, ce logiciel est une tuerie absolument énorme. En tout cas, ça a été une découverte pour moi. Parce que j'ai écrit mon premier bouquin, comme qui dirait, à la wall again. C'est-à-dire qu'on a des idées, on les met en ordre et on les écrit comme elles viennent au fur et à mesure. On tient une cohérence certaine, voilà, on revient sur l'intrigue, on corrige. Donc c'est pas un flux discontinu, enfin un flux continu de mots qui n'ont pas de suite, évidemment.
C'est un tout cohérent qui se tient avec une vraie arborescence d'intrigue, etc. Mais j'avais pas trop réfléchi à ce que devaient devenir mes personnages, à ce qu'ils devaient être, à leur passé. J'avais pas non plus trop réfléchi à ce qu'était un fil narratif, etc., etc. Et donc, en téléchargeant, j'allais dire, on y va, non, en téléchargeant Bibisco, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à découvrir. Donc, par exemple, Bibisco se veut être un logiciel en deux versions, une version gratuite et une version payante. J'ai fait ma première vidéo la semaine dernière sur la version gratuite, et donc il n'y a aucune trace puisque j'avais pas coché la petite case sauvegardée pendant 14 jours sur Twitch. Donc là, je vais vous faire la présentation de la version payante. C'est une version payante, c'est une version très spéciale de la version payante, parce que elle peut vous coûter 1 euro comme elle peut vous coûter 2000 euros. En fait, le développeur a décidé de mettre au bon vouloir de votre porte-monnaie. Et donc, vous pouvez donner ce que vous voulez. Et je trouve l'idée géniale. Et donc, j'ai fait voilà, ma petite donation pour ce logiciel. Parce que, en version gratuite, c'était déjà une tuerie. Mais en version payante, il est vraiment génial. Donc, là, je vais rapidement faire le tour sur les options, par exemple. Ce sont des petites options pas forcément très pertinentes, enfin pas pertinentes, mais j'allais dire pas très utiles de tous les jours. Mais voilà, quand on a la possibilité de passer comme ça en version sombre, ça peut économiser un peu la batterie du portable. Voilà. Ou en version classique, c'est-à-dire claire. On va choisir la langue, on va choisir le dossier dans lequel on va sauvegarder notre roman, notre histoire. Et on va pouvoir donc enregistrer tout ça. Ensuite, on va pouvoir importer un nouveau projet qu'on aura déjà préalablement écrit avec Bibisco dans une ancienne version, par exemple. On va pouvoir créer un second tome, et pourquoi pas, Nouvelle Conscience, selon certains lecteurs, mériterait une suite. Donc voilà, je cliquerai sur ce bouton-là quand je serai prêt. Et sinon, on va pouvoir donc créer un nouveau projet. Je vais prendre comme projet d'exemple le roman actuel sur lequel je potasse, sur lequel je travaille, hein, qui est Murphy avait raison. Hop, je vais donc ouvrir un projet et donc on voit mon projet Murphy avait raison que j'ouvre. Pour information, Murphy avait raison est une dystopie d'anticipation dans laquelle il y aura du policier et de la science-fiction. Voilà. Alors donc, la première chose qu'on peut voir dans le projet qui est ouvert, c'est toutes les statistiques qui sont liées à ce projet. Donc là, ici en l'occurrence, il y a 46 000 mots 500 d'écrit, ce qui correspond à 256 caractères. J'ai mis moi un objectif de 70 000 mots parce que depuis le 1er novembre, j'essaye de jouer sur le NanoVrimo. Le NanoVrimo, c'est sur mon t-shirt là. NanoVrimo. C'est le NanoVrimo là ici. Alors j'ai aussi la petite tasse parce que je me suis acheté le mug NanoVrimo. Donc c'est un moment où on écrit pendant un mois, là, du 1er novembre au 30 novembre, on écrit, on essaye de caler 50 000 mots. Comme j'en avais déjà 40 000, je me suis mis un objectif de 70 000 parce que j'ai vu que mon roman allait durer beaucoup plus longtemps. Ok, donc, et on voit ici progressivement avancer son pourcentage de mots, pourcentage d'objectifs, ce qui peut motiver à l'écriture régulière. Donc, si je veux arriver à 70 000 mots en étant parti à 40 000, globalement, il me faut que j'écrive 1 000 mots par jour. Moi, ça me demande 1 heure de travail, mais d'autres écrivent beaucoup plus vite, d'accord, et puis beaucoup plus longtemps surtout. Et donc vont arriver à leurs objectifs assez rapidement. En ce qui concerne l'historique des mots là-haut, quand je clique là-dessus, ce qui n'est pas possible avec la version gratuite, j'obtiens, hop là ici, un graphique qui va me dire quel nombre de mots j'ai écrit par jour. Hein. D'accord? Donc là ici j'ai le nombre de mots écrits dans les 30 derniers jours, ma moyenne mensuelle, donc là forcément au mois d'août, au mois de octobre. J'ai déjà un montant fixe et puis le mois de novembre va monter, d'accord? Et puis j'aurai comme ça les meilleurs jours de la semaine où j'ai écrit souvent. Ici, dans l'objectif des mots par jour, si je demande l'historique, j'obtiens la même chose, d'accord? Donc il n'y a pas de surprise. Donc là ici, mon échéance, c'est bien le 30 novembre. Il me reste 20 jours pour arriver à mon total de 70 000 mots, ok? Et puis derrière, on va avoir des statistiques sur le nombre de fils narratifs. Et combien sont complets ou incomplets, donc un pourcentage d'avancement. Je reparlerai des fils narratifs juste après. On a le nombre de chapitres écrits, donc là pour l'instant j'en ai 9, et avec ces 9 chapitres-là je suis déjà à 66%, donc je pense qu'il va y en avoir peut-être une quinzaine, mais pas beaucoup plus. Sachant que ces chapitres, après on pourrait les réorganiser, et je vous montrerai après juste comment.
Ensuite, on a le nombre de scènes qu'on a écrites. Et c'est là où Bibisco m'a complètement ouvert l'esprit sur la façon d'écrire un roman, d'écrire une histoire. C'est que oui, dans une histoire, il y a ce qu'on appelle des fils narratifs ou des arcs narratifs. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était dans la grande saga Marvel qu'on a vue au cinéma, que j'ai vue au cinéma, que nous avons vue au cinéma avec ma moitié, et qu'on accroche à mort. Quoi qu'en disent ceux qui n'aiment pas le scénario, voilà. Nous, on accroche à mort. Et donc, c'est l'arc Thanos, c'est-à-dire que du premier jusqu'au dernier, on va avoir des petits éléments qui vont aboutir à l'apothéose des trois derniers films sur Thanos, sa présence et ce qu'il a envie de faire avec l'univers. Ça, c'est un arc narratif. Et il se trouve que j'ai découvert en écrivant mon histoire qu'en fait, j'en avais quatre différents. Et donc, grâce à ça, j'ai pu les organiser et j'ai pu mieux les visualiser. Et ça, franchement, c'était vraiment très très bien. C'était vraiment très chouette parce que ça m'a vraiment permis de comprendre comment j'allais devoir les organiser et puis de retravailler toute mon histoire. Donc les chapitres, eux, donc c'est donc le découpage de l'histoire, je reviendrai là-dessus. Les scènes. Salut, oui, je sais qui tu es, graphite et graphoque. Je sais qui tu es, je te vois, je te suis. Et oui, Edwige, bah, c'est pas grave, on est encore là jusqu'à 18h30, et encore pour un peu plus d'une heure. T'inquiète pas, tout va bien. Merci d'être là d'ailleurs, autant pour Céline que pour Edwige, que pour Solide, que je ne nommerai pas, mais qui vient de passer devant moi se faire qui vient de se faire une petite tasse au micro-ondes. Bref, pardon. Tant pis pour lui. Donc ensuite, donc les scènes, donc c'est le contenu des chapitres. Un chapitre, c'est plusieurs scènes. Et donc du coup, on va voir que dans un chapitre, on va pouvoir agencer toutes les scènes bout à bout et voir notre chapitre progresser. Ce qui est vachement intéressant, c'est que moi, en tout cas, ça m'a permis de voir que, ben oui, dans un chapitre, ben, il y avait plusieurs scènes. Une scène, c'est comme le découpage d'un film, en fait. C'est le moment où deux personnes se rencontrent et qui se quittent à un moment donné. Voilà, il y a une scène où ils se rencontrent, d'accord? Maintenant, à l'intérieur de cette scène, il y a plusieurs plans. C'est-à-dire, on a un plan où ils sont de face, un plan où ils sont de côté, un plan où on va les voir discuter, un plan où on va voir l'un se faire un thé, machin, etc. Donc tout ça est prédécoupé. Et c'est ce qui me fait dire que ce logiciel-là, là où ça tue, c'est que je pense, je soupçonne le créateur d'avoir imaginé derrière, préparer, comment dire, la construction d'un scénario pour le passer en film ou en BD. C'est-à-dire que tout est là. À mon avis, tout est là pour préparer justement la création du scénario. Et vous verrez à la fin de mon petit exposé de 18h30 normalement, que l'export ben, permet, enfin, augure, on peut envisager plein de choses. Donc, on a aussi la possibilité de vérifier, de voir nos personnages principaux, donc là j'en ai 4, nos personnages secondaires, 19, là j'en ai ajouté un il n'y a pas longtemps, j'ai 16 lieux dans lesquels mes personnages évoluent, ok? Et des objets, pour l'instant il y en a zéro. Pourquoi? Tout simplement parce que la version gratuite que j'avais auparavant ne disposait pas de cette possibilité de créer des objets. Mais dans la version payante que je viens d'obtenir, il est possible, comme pour la création de personnages principaux, de personnages secondaires, de personnages et de lieux, il est possible de créer des fiches pour les objets. Par exemple, vous réécrivez l'histoire de Arthur, vous aurez évidemment une fiche pour Excalibur, par exemple. D'accord? Et donc, quand vous avez des objets magiques, quand vous avez des objets marquants, ça sera en science-fiction, ce sera le pistolet laser du héros, etc. Enfin, il a peut-être une histoire, ce pistolet laser. Ça pourrait être un vaisseau spatial, pourquoi pas. Encore que ça pourrait être considéré comme un lieu. Bah, ça, c'est à vous de gérer, vous verrez bien, d'accord? Ok. Alors, une fois qu'on a vu notre récapitulatif, là, en l'occurrence de Morphy avait raison, je vais passer en revue tous les onglets qui sont là-haut. Donc, ici, dans l'architecture. Donc là, il nous rappelle qu'on peut créer des fils narratifs, etc. Donc ne m'en dites pas plus. Soit on ferme et il nous le rappelle, soit on dit ne m'en dites pas plus. Je peux ralentir, oui, si tu veux, je vais ralentir un peu. Mais j'ai qu'une heure aussi maintenant. Ma moitié vient de me dire qu'il fallait que je ralentisse de débit. Ok. Mais c'est carrément utilisable pour faire un scénario de jeu de rôle, ça. Mais oui, tout à fait. Mais tout à fait solide. Tout à fait. Donc, quand je suis dans l'architecture. Les premières choses qu'on peut voir avec sans avoir créé aucun fil narratif à la base, ce sont ces trois idées-là. L'idée première, le plan et l'environnement. Ok? L'idée première, c'est ce qu'on appelle le pitch en anglais ou la prémisse en français. Et cette idée première, elle va permettre de garder le fil et d'avoir toute son idée
en une seule phrase. Ça permet de garder le fil tout au long de son histoire ou tout au long de sa rédaction, de façon à pas se perdre. Donc, d'accord? Donc là, je vous spoil, tant pis pour vous. Et en fait, je vais spoiler au fur et à mesure pour mon propre roman. Mais tant pis, après tout, vous êtes 6 pour l'instant, je vais être obligé de vous l'offrir après. Voilà, on verra. Alors, on verra, vous emballez pas. Donc là, dans une ville ravagée par la guerre civile, un maire de quartier va découvrir ce qui l'a déclenché, mais trouvera la mort en tentant de le rêver. Voilà, d'accord? Donc là, ici, j'écris mon pitch. J'ai donc bien mon personnage, ce qu'il fait, l'action qu'il va devoir effectuer dans toute son histoire, et comment ça se termine. D'accord? Donc ça, c'est mon pitch, ma prémisse. C'est réellement comme ça qu'on va pouvoir le gérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, là-haut, en haut à droite, on a trois onglets, trois petits boutons, qui nous permettent de dire et d'avoir d'un coup d'œil, ici par exemple, si je reviens au début, structure de roman, idée première, à commencer. Ça voudrait dire par exemple que ben, j'ai rien mis dedans ou à peine deux, trois mots. Si c'est le cas, je passerai plutôt sur à compléter. Retour, hop, et on voit que ça passe à compléter. Ça veut dire que quand j'arrive directement sur architecture, je sais globalement où j'ai du boulot. D'accord? Donc là, ici, pour moi, la prémisse est terminée. Tac, donc je reviens. Ok? Ensuite, on a un plan. Alors, le plan, je ne l'utilise pas là-dessus. J'ai commencé un petit peu, mais j'avais déjà beaucoup travaillé sur un autre logiciel que je vous montrerai bah, maintenant, en fait. Pourquoi pas? Parce que ici, c'est juste de la rédaction. Donc, en fait, il faut éditer. Oui, d'accord. Vous pouvez changer la police de caractère. Très, très bien. Et donc là, ici, pour l'édition, en fait, on va juste aligner les uns en dessous des autres ben, des paragraphes, en fait. Et je trouve pas ça très, pour l'instant, je trouve pas ça très très fluide et très utilisable. Pas utilisable, c'est utilisable, mais je trouve pas ça très souple. Voilà, très souple. Et donc pour le faire, pour utiliser ça, pour faire ça, moi j'utilise plutôt. Hop, hop, hop. Ah. Tac. Tac. Oh, il veut pas. Il veut pas vous partager mon VS Code. Ça, c'est pas cool. Ah, si, ça y est. Donc, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle draw.io et que là, j'ai importé dans un autre logiciel qui s'appelle VS Code. Mais globalement, draw.io, c'est le nom du site internet, draw.io. D'ailleurs, clac, clac, je peux vous l'écrire en dessous, comme ça. Draw.io. D'accord? C'est comme ça que ça s'écrit. Donc, en fait, ce logiciel-là permet de créer. Je vais dézoomer un peu. Hop, permet de créer une arborescence beaucoup plus complexe. D'accord? Donc là, on a Murphy avait raison dans sa totalité. Donc là, je vais descendre. Donc là, c'est tout ce qu'il y avait avant le début de l'histoire. Ensuite, je vais continuer. Hop. Je continue à dérouler, je continue à tout ça. Ça n'a pas été encore écrit. Voilà. Ici, c'est le début de mon roman. Et après, j'ai encore, je déroule encore, je déroule encore. Donc j'avais déjà écrit toutes les scènes, tous les chapitres, d'accord? Et tout ce à quoi les tenants et aboutissants. C'est-à-dire que si quelqu'un fait ça, en sous-main, le personnage ne le voit pas, mais il se passe ça. Et ça ici, en rouge, c'est ce que moi j'ai décidé que même le lecteur ne saurait pas, mais plus tard. Enfin, saurait, mais plus tard. Donc là voilà, j'ai donc créé hop, mon arborescence, que j'ai imprimé, que je me suis collé au mur, et qui mesure pas loin d'un mètre 40, 1,45 m. Voilà, donc ça c'est mon bouquin et c'est la façon dont j'ai préféré organiser mon livre tout au début. Ok? Clac. Donc ça c'est. Oui, c'est pas mal. Tu vois, ça peut permettre de justement de poser tes idées. Evoque, ça permet de poser tes idées et d'y voir clair. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Alors à la base sur draw.io, c'était juste pour poser mes idées comme ça de vue, mais je me suis rendu compte que j'étais obligé de zoomer pour écrire. Et donc, je ne voyais pas tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, j'ai préféré l'imprimer pour le coller au mur, parce que comme ça, j'avais une vision globale de mon histoire. Et ça m'a vraiment permis de déblayer plein de trucs, des incohérences que je n'avais pas vues, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment me semble-t-il, moi, une bonne idée. Alors ensuite, pouf, je reviens sur Bibisco. Toc. Voilà. Donc ça, je peux réduire et revenir sur Bibisco. Ok. Et donc, ça c'est donc le plan. Donc à utiliser ou à ne pas utiliser, c'est vraiment au choix du joueur français, comme dirait l'autre. Mon livre, c'est une ligne de 23 lignes. C'est trop flippante.
Oui, non, mais oui, après, je suis un petit peu. Il y a mon micro qui se pète la gueule. Ça, c'est pas cool. Je vais tâcher de réparer ça vite fait pour pas que ça se reproduise. Voilà. Comme ça devrait pas se reproduire. C'est les joies du direct, pardon. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit dans vos petites affaires, dans vos oreilles. Ouais, accident du direct. Et puis en plus sur le mur, ça fait hyper inspecteur qui essaie de résoudre une affaire, c'est stylé. Oui, ah, exactement. Ça fait super pro surtout, ouais, carrément. Oui, accident de direct. Je n'ai pas encore un setup très très au point. Peut-être je fais une photo du setup après pour vous montrer dans quelles conditions je travaille. C'est absolument infernal. Bon, je continue. Je continue. Donc, une fois qu'on a fini d'écrire son plan, on a l'environnement. Là, c'est plus une histoire de. C'est encore une histoire de chapitre, de traitement de texte dans lequel on va écrire plus ou moins ce qu'on imagine dans notre ambiance. D'accord? Ambiance, décor, environnement, où ça se passe. Personnellement, c'est là où j'ai mis l'ambiance sociologique, politique, économique, alcoolique, tout ça, tout ça. Tout ce qui finit en hic. Et donc là, c'est pareil, on peut valider. D'accord? Donc on dit, voilà, mon environnement, il est prêt, ma prémisse est prête, et mon plan, je l'ai mis en attente, mais je vais le valider parce que même si c'est pas là, il est bon quand même. Alors ensuite, eh bien, on a la partie fil narratif. Et les fils narratifs, en fait, ça va donc être les histoires dans l'histoire. D'accord? Si je reprends l'idée de Marvel, Céline ne crie pas, on a 20, plus de 20 films, d'accord? Et chaque film a son histoire. Mais tout du long, je prenais Marvel comme j'aurais pu prendre n'importe lequel d'autre, hein, n'importe quelle série vous suivez, c'est la même chose, normalement c'est un peu la même chose, vous avez un fil conducteur, d'accord? C'est un arc narratif. Ok? C'est de la télépathie, Céline, je l'entends d'ici. Et donc, ces arcs narratifs-là, eh bien, autant dans une série, on va écrire un épisode et puis on va y glisser des petits morceaux de ce fil narratif pour construire une histoire qui va persister sur la durée. Autant dans mon principe à moi, qui est donc un film, globalement, c'est un roman, donc je le perçois pour l'instant comme étant un film, j'ai quatre arcs narratifs qui vont se croiser, se décroiser, d'accord, pour aboutir à mon apogée, à mon final, le truc qui va briller dans vos têtes, et vous dire Ah, mais c'était donc ça! Voilà, j'avoue que c'est l'idée que je recherche. Donc là, j'ai quatre fils narratifs. La guerre civile, qui est l'avant-crise, l'avant-début du roman. Puisque le roman commence où la crise est déjà installée, enfin la guerre civile est déjà installée, et la crise est derrière eux depuis plusieurs années. D'accord? MS tente de survivre. Je vais vous spoiler qu'à moitié parce que j'ai mis des capitales, des majuscules pour vous perdre. Donc là, on a un type qui essaie de survivre, donc on va découvrir l'environnement grâce à lui. Zatek reprend le contrôle, c'est une société donc, qui avait eu. Voilà, qui a périclité avant la crise et qui essaie de reprendre le contrôle après la crise. Et puis on a la vengeance d'Izelan. Vous n'en saurez pas plus parce que voilà, Izelan se venge. Donc voilà un peu l'architecture de mon roman. Voilà comment il va se goupiller, d'accord, et comment on peut faire tout ça avec une seule et même page. Ensuite, on a les personnages. Et là, c'est pareil. Autant j'ai découvert qu'on pouvait créer des films narratifs, que ce que ça pouvait bien être, d'accord, dans un roman. Mais j'ai aussi découvert qu'une fiche de personnage, ce n'était pas juste un post-it avec marqué dessus Mark Sanders, grand, beau, brun. Ça suffit pas en fait. Ça ne suffit pas. C'est pas assez descriptif pour le personnage. Il faut aller un petit peu plus loin. Alors dans mon premier roman, mes personnages vont pas très loin, mais j'ai une excuse. Les personnages humains sont pas les personnages principaux. Donc on va pas très loin non plus avec eux. Voilà, c'est mon excuse. Et sinon. Quand on va choisir de créer un personnage principal ou un personnage secondaire, on aura les mêmes informations pour les deux, mais simplement ils seront classifiés, d'accord? Si je prends mon premier personnage, Mark Sanders, eh bien on va devoir répondre à plein de questions. Et alors ça, pour moi, c'était la découverte. Qui c'est? Donc on a ici qui est-il, qui est-elle, information personnelle. De quoi est-ce qu'il a l'air? Très physique et comportement et attitude. Ouais, mais alors, voilà, pour le premier, mais j'avoue, voilà, j'essaie de faire autrement. Je dis pas que j'essaie de faire mieux, parce que voilà, il y en a qui s'en sortent très bien sans, mais je vais essayer de faire autrement pour voir jusqu'où ça m'emmène.
Donc là, ici, à quoi est-ce qu'il pense? Donc sa psychologie, ses idées, sa passion, d'où est-ce qu'il est originaire, sa sociologie et la vie avant le début de l'histoire, où est-ce que ce personnage va, ses conflits et son évolution. Donc là, déjà, on a déjà plein de pistes de réponse sur qui c'est mon personnage. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Bibisco, petit vicieux, c'est un logiciel qui vous aide à remplir tout ça. Par exemple, si je clique sur Informations personnelles, j'ai 12 millions de questions à remplir. Alors, je ne vais pas toutes les remplir. En fonction de mon histoire, je vais me limiter évidemment à ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant pour le fil. Mais voilà, il m'a déjà pensé que dans les informations personnelles, je pouvais donner son nom de famille, son surnom, le sexe, quel âge il a, son lieu de naissance, résidence, niveau d'éducation, riche ou pauvre, propriétaire, locataire. Et donc, ça, c'est que les informations personnelles. Si je vais dans les traits physiques, j'ai ses origines ethniques, grand, petit, mince, gros, quels cheveux, jusqu'à les mains. Il y a 24 traits de caractère, traits physiques, sur lesquels on peut répondre. Est-il poilu? Ça, c'est quand on écrit le Seigneur des Anneaux et qu'on veut dire qu'il a les pieds poilus. C'est la fiche de personnage voilà, des Hobbits. Ensuite, dans les comportements et attitudes, on a 12 traits de caractère. Quelle est son apparence, sa manière de parler, sa manière de rire, etc. etc. Donc tout ça, c'est. Je ne vous les fais pas tous, hein, parce qu'à chaque fois, même en psychologie, hein, est-ce qu'il est facile à vivre? Est-ce qu'il est charmant? Est-ce qu'il est ambitieux? Est-ce qu'il est radin? Bref, toutes ces fiches-là sont des fiches à remplir. Et encore une fois, on peut le faire ou ne pas le faire. Ce n'est pas une obligation, d'accord? Moi, en l'occurrence, Bibisco m'a obligé à y réfléchir. Et donc, il y a certains traits de caractère que j'ai approfondis parce que je me suis dit, ah mais oui, en fait, de savoir ça, c'est intéressant pour la suite. D'accord? Pour son fil narratif à lui, c'est vachement intéressant. oui et non. Est-ce que je dois lire tout haut ta question, ta réponse, ton intervention? Ça peut être important les poils si c'est du roman érotique. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait les personnages, on peut aller donc dans les lieux. Et donc dans les lieux, on a juste une rubrique lieux dans laquelle on va pouvoir saisir tous les lieux. D'accord? Donc là, ici, en l'occurrence, voilà, j'ai écrit juste un petit paragraphe avec le lieu. Il n'y a pas grand-chose à faire. On peut ajouter une image. Si tant est qu'on ait une idée assez précise de ce qu'on veut, on peut aller la trouver sur Internet. Hop, ajouter la première image, on va la chercher. D'accord? Là, moi, en l'occurrence, j'ai déjà des idées assez précises de ce que je veux. Et j'ai pas besoin d'avoir une image sous les yeux. Je sais très bien à quoi ça ressemble. Globalement, j'ai pris ma ville à moi, où ça se passe. Et voilà, j'ai propulsé ça dans le futur, dans un futur proche. Et j'ai. Comment dire? C'est les noms des lieux, je les ai dégagés. Parce que je trouve que c'est pas très utile que ça se passe dans ma ville. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai une vision de la ville dans laquelle ça se situe. Donc, ça, c'est tous les personnages. Donc, le bureau de Victor, le magasin du caissier, le cabinet du médecin, la porte du soleil, le local de campagne, la morgue du commissariat. Ah, mince! Bah donc, y a-t-il y avoir un mort? Peut-être, vous le saurez en lisant Murphy avait raison, quand il sortira, quand il sera prêt. Donc ensuite, les objets. Bon bah là, moi j'ai rien mis, puisque effectivement, je n'ai pas d'objet. C'est top la fiche de personnage. Le perso est bien défini comme ça. On connaît sa personnalité, la réaction qu'il pourrait avoir. Il ne nous échappe pas en cours d'écriture. Et alors, t'as raison. Et alors, t'as raison, Yvouk. Parce que pour Murphy avait raison, j'ai une anecdote. Est-ce que j'ai le temps de digresser comme ça? Oui. J'ai une anecdote. À un moment donné, justement, je vous ai montré l'idée de lieu avec le magasin du caissier. Eh bien, Mark Sanders, qui est le personnage principal au début, est censé tenter de monter une petite équipe pour survivre au mieux dans cette ville post-guerre civile. Et donc, il va s'approcher du caissier pour lui proposer de s'allier ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. D'accord? Et donc, je me voilà en train d'écrire le truc. Et puis d'un coup, en fait, il y a le caissier, et je lui dis, ben, il faut qu'il réponde ça. Ça me paraît logique dans la suite de l'histoire. Ça me paraît logique dans le discours. Et ouais, mais comme il avait répondu à un truc, mon personnage principal devait répondre à autre chose. Et donc, en fait, ils se sont engueulés. Et donc, à la fin, ils sont partis, puis ils n'ont pas créé de team pour Ensemble, nous sommes plus forts. Ça n'a pas du tout fait comme je voulais. Donc, j'étais bien embêté. Parce qu'ils avaient un petit peu vécu leur vie tout seuls. Alors, j'aime pas ça du tout. En tant qu'architecte, vous savez que dans les auteurs, il y a deux catégories dans lesquelles on est plus ou moins avec des variations. Il y a les architectes qui construisent leurs murs, leur arborescence, etc.
Est-ce que je suis fan de Olive et Tom? Non. Non, 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 non. C'était à une époque où je commençais à ne plus regarder les mangas à la télé. Et je n'ai jamais aimé la façon dont, comment dire, dont il fallait 12 plombes pour que le ballon arrive du pied du shooter, du footballeur, au but. Alors, ça passait mieux quand c'était Dragon Ball, où il fallait 12 plombes pour que le Kamehameha il arrive de Sangoku au méchant, mais ça me touchait plus. Ah, Mark Landers. Ah non, 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 moi c'est Sanders. Moi c'est Sanders, et il y a une petite vanne dans son nom. Vous saurez plus tard si vous lisez le livre. Mark Landers. Ah, elle connaît. Ouais, mais vous connaissez aussi toutes les deux. Donc vous avez les mêmes passifs culturels. Voilà. Ah, cette culture de groupe. Ça va, je peux continuer? Vous avez fini de discuter toutes les deux, je peux y aller? Bon, après, là on existe, ça va, hein, ça passe. Hein. Mais on existe, ça va, mais quand vous serez 4000, on pourra pas discuter comme ça. Alors, je vous laisse 2 secondes, mais ça va, hein, ça suffit maintenant. Bon, ok. Donc, les objets, donc j'ai dit, je passe. Ok. Ensuite, et ça c'est une nouveauté pour moi dans la version payante, c'est que les relations n'étaient pas accessibles dans la version gratuite. Maintenant, la version payante, c'est accessible. Et là, attention, accrochez-vous bien. Tadam! On peut dire qui est papa de qui est le patron de qui est le petit-fils de machin. Ça, franchement, c'est une tuerie aussi. Alors évidemment, j'aurais très bien pu passer par, par VS Code. Non, ça va être pénible si je refais par là. J'aurais très bien pu passer par VS Code parce que justement, il sait faire des arborescences de ce type-là. Mais là, ici, c'est à l'intérieur du logiciel. Et j'avoue que moins on sort, mieux c'est. Si jamais le patron de Bibisco voulait bien incorporer un système d'architecture pour créer son bouquin, je me passerais très bien de draw.io. Aucun souci là-dessus. D'accord? Et donc là, à l'intérieur, ben voilà, on a la possibilité. Mince. Ah oui, il faut d'abord éditer. Les relations, c'est un peu un truc important à avoir quand tu as un roman avec 12 000 liens entre les persos. Oui, alors oui. Je suppose que quand tu t'appelles George Martin et que tu écris le machin des dragons truc là, ouais là ça y est, je pense qu'il doit, si t'as pas ça, tu vas te prendre un peu les pieds dans le tapis. C'est un peu les pieds dans le tapis. Donc là ici pour créer des liens, pour les éditer, pour les éditer, donc je lui demande pas de cacher le truc parce qu'il me rappelle comment on peut faire. Donc là ici, pour créer un lien, on va juste double-cliquer. On va créer son personnage. Une fois qu'il aura été créé. Là ici, on va pouvoir tirer sur sa petite bulle et puis dire que ben il est en liaison avec machin par exemple, pouf. Et là on va dire que voilà, c'est machin petit-fils par exemple, pouf. Ok. Et donc là voilà, j'ai un lien qui a été créé entre les deux, d'accord. Et je ne sais plus comment on fait pour les enlever. Supprimer l'élément, supprimer une relation, double-cliquer sur la relation, très bien. Et j'efface. Nickel, et ça marche bien quand même. Hein. Et donc après on peut les déplacer. Donc là c'est pour réorganiser en fonction de nos besoins. Donc on peut voir que les petites flèches elles suivent. On va pas être obligé de déplacer les flèches en même temps. D'accord? Et puis on a la possibilité de créer, donc là je ne l'ai pas montré, mais on peut aussi créer ici, on peut dire si ça va être un personnage principal, personnage secondaire, un lieu ou un objet. Parce qu'un lieu peut être relié à une personne. On serait en train de faire l'arborescence, les relations de Star Wars. On aurait Han Solo qui serait lié au Faucon Millenium, par exemple. D'accord? Voilà. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. J'apprécie bien le truc. Ça m'a permis de voir qu'il y avait des personnages sur lesquels je passais peut-être un peu trop vite et qui sont pourtant vachement intéressants, vachement importants dans mon histoire. Bref. Et là, ici, on a une petite possibilité de faire des zooms. Hop, hop. Ici, de faire des dézooms. Ici, je vais cliquer sur la cible, il va hop, me rezoomer sur la totale. Et puis, je peux ici configurer voilà, l'enregistrement automatique, par exemple. Okay. Alors, tiens, petite astuce que j'ai pas vous montrer. Ici, là, ça, c'est la sauvegarde qui est automatique, qui m'est montrée comme actif. D'accord? Et à côté, on a la date du dernier enregistrement avec l'heure. C'est bien pour savoir si on a bien sauvegardé au bon moment, au dernier moment, etc. Et sauvegarder, c'est bien. Petit rappel, quand vous êtes en plein travail, votre réflexe, outre de d'écrire
à toute vitesse et d'entendre votre clavier taper comme un taré, votre réflexe, c'est le contrôle S ou commande S sur Mac, d'accord, qui va vous permettre de sauvegarder. Tac, tac. Donc c'est, j'écris un truc, paf, commande S. J'écris un nouveau chapitre, un nouveau paragraphe, paf, commande S. Tiens, je vais changer tous les noms de mes personnages. Voilà, c'est fait, commande S. D'accord? Contrôle S. C'est la sauvegarde, c'est la vie. Après le gras, la sauvegarde, c'est la vie. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Ok. Alors ensuite, les relations étant faites, on va parler des chapitres. Pas des chats rigolos, hein, des chapitres. Pardon. Donc là, ici, quand j'arrive dans les chapitres, j'ai ici. N'oubliez jamais de sauvegarder. Jamais, jamais, jamais. Donc là, ici, quand j'arrive dans la gestion de mes chapitres, ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là. Pour l'instant, j'en ai 9, d'accord? On voit que mes trois premiers chapitres sont bouclés. Ok. Là, j'ai des petites retouches à faire sur les 4 et 5. Et le 6 et 7 sont à commencer, d'accord? Et mon chapitre final, il est orange. Mais pourquoi? Il serait orange avant les autres? Ben parce qu'en fait, je me suis réveillé un matin en me disant, je sais comment ça va finir. Alors, je savais déjà comment ça allait finir, mais j'avais une idée géniale. Et donc, j'ai été obligé d'écrire mon chapitre final tout de suite. Donc, mon chapitre final, il est bouclé, il est fini. Et vous n'allez pas en revenir. Je vous préviens, vous allez lire mon bouquin, vous n'allez pas en revenir. Vraiment, c'est une tuerie. Vous notez, hein, Murphy avait raison, Robert Forge, une tuerie. Bref. Donc, ma gestion des chapitres, on voit qu'ici, j'ai là-haut les mots et les caractères que j'ai déjà tapés. D'accord? Et à côté, si j'ai saisi mes objectifs, eh bien mon objectif apparaît là-haut. D'accord? Donc j'ai bien 46 508 par rapport à 70 000. C'est bien 66% du total. D'accord? Et donc voilà, j'ai un objectif, j'ai mon. Voilà, j'ai pas une deadline, mais je l'ai sous les yeux et c'est bien. Aussi pour la motivation. Hein, Yvo, n'oublie pas, pour la motivation. Il faut motiver. Alors ces chapitres, eh bien, on peut, une fois qu'ils ont été créés, on peut les déplacer. D'accord? Donc là ici, mon introduction passe avant le chapitre 1. Je la remets à sa place. Ici, on a des petits dièses. 1, 2, 3, c'est le nombre de fiches. L'objectif, je le définis où? Je le définis dans projet. Pas dans projet. Pas dans projet, pas dans projet. Si, si. Mince, tu me perds. L'objectif, architecture, non plus. Ah, objectif, ici là-haut. Dans projet, tu vas dans ici là-haut, dans objectif. Voilà, exactement. Donc là ici, je valide. Je vais mettre une date, un nombre de mots. Et en fait, je vais demander de le calculer et c'est lui qui va me dire combien je dois faire. D'accord? Et ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Alors, je l'ai fait uniquement parce que c'était le NanoVrimo et que ça va me pousser un peu, d'accord? Mais j'avoue que des objectifs aussi proches, j'aime pas trop ça. Alors, Stephen King, dans son bouquin Mémoire d'un métier, hop, qui j'ai ici, on ne le voit pas, hop, Mémoire d'un métier, Stephen King, d'accord, que je ne recommande que pour la deuxième moitié, puisque la première moitié, il raconte sa vie, et franchement, je m'en cale, mais la deuxième partie, c'est vachement intéressant, où là, il raconte sa vie d'auteur et comment il résout ses problématiques. D'accord, donc ça, c'est vachement intéressant. Et donc, ce qu'il dit, lui, c'est que si on met trop de temps à écrire son bouquin, on va au fil du temps perdre sa motivation. Et donc, il faut tenter de raccourcir ce délai entre le début de la création et la fin au moins du premier jet, de raccourcir ce délai pour garder cette motivation. Lui parle de 3 mois, ça me semble être un bon compromis. Compromis. Pardon. Le NanoVrimo, c'est 1 mois, c'est très court. Et quand on a un travail, c'est pas forcément facile à faire, à tenir. Quand on a des enfants non plus, quand on a une famille en global, c'est pas super simple, d'accord? Donc le NanoVrimo, c'est très bien pour des gens qui n'ont pas trop de responsabilités à part leur job. C'est-à-dire, tu rentres du boulot et tu peux écrire, nickel. Si tu n'as pas besoin de faire changer les couches ou de faire à bouffer pour tout le monde, c'est très bien. Maintenant, si tu as besoin, voilà, si tu as du temps pour toi, voilà. 3 mois, c'est un bon délai. C'est un truc qui lui semble bien. Et ouais, on verra pour mon deuxième, parce que là, je suis. Alors, je l'ai commencé il y a longtemps, donc. Voilà, ça fait longtemps que je suis dessus. Mais mon prochain, j'espère que je mettrai ces 3 mois. 3, 6 mois. Ouais, même 6 mois, même 6 mois. Pour un premier jet, hein. Moi, je parle d'un premier jet. Et lui aussi, hein. On parle bien d'un premier jet. C'est-à-dire le bouquin que tu écris d'une traite,
et où tu n'as pas corrigé les fautes, où tu n'as pas vérifié la cohérence, mais où tu as écrit toute ton histoire. D'accord? Moi, je parle du premier jet. D'accord? Après, derrière, tu peux passer plusieurs mois à le corriger, à le revoir, etc. Mais personnellement, je parle bien du premier jet. On est d'accord. Très bien. Nickel. Bah, si t'es d'accord avec moi, ça va alors. C'est bien. Vous avez vu, Céline est d'accord avec moi. C'est cool, hein, ouais. En vrai, c'est cool. Bon, bref. Donc, le chapitrage, donc on peut le déplacer comme on veut. À savoir que, par défaut, Bibisco crée des dièses 1, dièses 2, etc. pour le nombre de fiches que vous avez créées. Dans mon cas, c'est un petit peu chiant parce que j'ai d'abord une intro. Cette intro, je l'ai considérée comme un chapitre à part entière. Peut-être que j'aurais dû la mettre là-dedans, mais ça m'embêtait. Et du coup, mon chapitre 1, en fait, c'est le dièse 2. Donc, quand je repère où j'en suis, moi, je repère. Moi, j'ai tendance à vouloir repérer le chapitre et parfois je me mélange un peu les pinceaux. Faut encore que je m'habitue à ça, mais voilà. Et donc, dans chaque chapitre, vous voyez aussi le nombre de caractères, le nombre de mots qui a été écrit dessus. D'accord? Et je reviendrai un peu après là-dessus. Vous allez voir que ces petites fiches-là, elles sont assez intéressantes à voir par la suite. On en est où? Il est quelle heure? Bientôt 18h, ça va, tranquille. Elle a raison, Moumoun, je parle trop vite. Je vais pas balancer ton pseudo, ton sobriquet entre nous, enfin. Donc, pardon, je suis perturbé. Tu m'as perturbé. Donc ensuite, pardon. Donc ensuite, il nous reste à voir la recherche. Là aussi, c'est un outil que j'ai pas encore utilisé parce qu'il n'a été débloqué que pour ma version payante, que j'ai depuis 2 jours. Hein. Je me suis dit que j'allais le faire pour cette vidéo-là. Et donc là ici, ce qui va se passer, c'est que là, si je cherche par exemple un personnage, mettons Monsieur Sanders, pouf pouf, je vais lui demander de chercher soit dans les scènes, soit dans tout le projet. Donc là, je vais chercher dans tout le projet, d'accord? Et lui va me dire où il apparaît dans quelle scène. Donc là, a priori, c'est ce que je lui demande, d'accord? On va pouvoir cliquer pour rentrer directement dans la scène. Tadam! Et là, il me dit où ça se trouve. Ok. Je fais un retour sans sauvegarder. Il me ramène dans ma recherche. Okay. Donc là, j'ai accès à tout ça. On me dit même combien de fois il est répété. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, etc. Son nom complet, bien évidemment. Okay. Et comme j'ai demandé les projets, en fait, il va aussi me dire s'il est présent dans le plan, dans la structure, dans le strand, c'est les arcs narratifs, et dans les fiches de personnages. Okay. Si jamais j'avais demandé que les scènes, donc je vais me mettre en bas, ici, clac. En fait, il me vire tout ce qui n'est pas chapitre et scène. D'accord? Ce qui est bien. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment bien foutu. Quand on sait qu'on a un truc à corriger, par exemple, notamment le nom du personnage, là, il n'y a pas de chercher à remplacer. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Non. A priori, pas de chercher à remplacer. Tiens, si je fais ça, il se passe quoi? Ouais, je fais ça. Et puis donc, est-ce qu'on peut chercher à remplacer? Nénénien. Copier-coller, répéter, centrer truc. Ah, ah si, peut-être. Bon, à l'occasion, je vous le testerai. On verra bien. Dans les options, on peut faire quoi? Changer la police de caractère, changer le corps du caractère, le retrait de paragraphe, la vérification de l'orthographe et les enregistrements automatiques. Ça, ce sont les options quand on est en mode édition. Ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, je retourne sans sauvegarde. Et je sors de la recherche. Alors ensuite on arrive dans un moment, dans la chronologie et l'analyse, qui là pour moi tombe sous le coup du génie. Je reviens dans mes chapitres. Dans mon chapitre 1, dans Mark Sanders, hop, MS c'était Mark Sanders, oui en fait je vous ai pas dit mais j'aurais pas dû vous le dire d'ailleurs, MS c'est Mark Sanders. Il a donc toute une histoire. Nya, 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 nya. Ok? Et pour moi, c'est terminé. Je l'ai fini. Je peux l'éditer, c'est-à-dire je peux retourner à l'intérieur. D'accord? Clac. Si je retourne, en fait, ça me fait sortir de l'éditeur. Je peux aussi changer le titre de la scène. Donc passer de MS à Mark Sanders. Clac. Donc j'ai changé le nom de la scène. D'accord? Donc c'est pas le nom du chapitre, hein, c'est le nom de la scène. Dans mon chapitre, j'avais plusieurs scènes. D'accord? Chapitre 1. D'accord, je suis rentré dans le chapitre 1, Mark Sanders, Iselan et Annette, les satellites d'Iselan, puis j'en ai plein d'autres. Plein de scènes. D'accord? Je reviendrai après juste sur ce qui vient après. On peut aussi lui déplacer la scène vers un autre chapitre.
C'est-à-dire que si on estime que ben, finalement ça s'était dit trop tôt ou trop tard, eh bien on peut les déplacer ou les virer. D'accord? Ok. Donc, les tueries, elles arrivent ici. Dans l'explorateur de projet, je peux aussi directement faire une recherche sur Sanders. Et là, tiens, je peux avoir rapport à sa femme ou à lui-même. Donc, hop, Sanders, on le trouve ici. J'ai toutes ces références par rapport au personnage, sa psychologie, etc. Je peux avoir des petits rappels. Tiens, au fait, comment est-ce qu'il se comporterait dans ce dialogue-là si maintenant qu'il parle avec machin? Là, en fait, je tape son nom et je peux savoir s'il est censé être impulsif, cajoleur, psychopathe, etc., etc. Donc ça, c'est l'explorateur de projet qui est assez sympa à gérer. Mais la tuerie, elle est là, dans les étiquettes. Dans ce chapitre-là, dans cette scène-là, je vais pouvoir dire comment se passe la narration. Est-ce que c'est une première personne secondaire, troisième personne limitée? Et si vous ne savez pas ce que c'est, il suffit de lire le petit chat, le petit machin qui est en dessous. D'accord? Une troisième personne omnisciente, une troisième personne objective ou une deuxième personne? Oui, mon roman est à la deuxième personne. Je tutoie. D'accord? Ok. Ensuite, donc je dis, c'est à la deuxième personne. Ensuite, je décris qui sont les personnages qui sont dans cette scène. Il y a l'auteur, il y a le Mark Sanders et Monsieur Étienne, qui est le gardien de l'immeuble. D'accord? Ensuite, où se déroule cette scène? Donc j'ai tous mes lieux. Donc je dis que ça se passe dans le... narrator. Alors, dans la narration, oui, tu as raison. Pourquoi pas? Oh, ah, ça reste le narrateur. Ça reste le narrateur. Et si jamais tu n'as pas ici le narrateur menteur, tu peux toujours imaginer ajouter un personnage et l'utiliser. Par exemple, ici, j'ai mis l'auteur comme étant narrateur et comme étant un personnage. Tu vois? Donc ça m'empêche pas. Même si ça n'est pas cité dans la gestion des personnages, ici, enfin dans la gestion des narrations, tu peux toujours l'ajouter en tant que personnage. D'accord? Ce que j'ai fait personnellement. Puisqu'effectivement, il n'y avait pas jeu. Enfin, si, il y avait jeu, mais il n'y avait pas. Je voulais que ce soit marqué comme étant l'auteur. Donc ensuite. Ah, ben écoute. Écoute, c'est important, c'est intéressant ce que tu dis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais. Hop, garde bien. Hop, dans les features, parce que je vais faire, je suis en train de faire un petit fichier dans lequel j'écris ce qui va être. Ce que je vais lui demander d'ajouter si possible. Ce sera le narrateur menteur. Et toi, tu appelles ça le révolte, carrément. Tu appelles ça le unreliable narrator. Unreliable narrator. Ok, c'est noté. C'est noté. J'ai bien pris note de ta révolte et je vais tenter d'en faire part à ce monsieur, si tant est qu'il écoute les gens. Bah, narrateur, narrator, menteur, unreliable. Reliable. C'est quoi reliable? C'est est-ce qu'on peut faire confiance au narrateur, c'est ça? Le narrateur non, comment on dirait ça? À qui on peut pas faire confiance? Not trustable. Ben, le traître. Si quelqu'un qu'on peut pas faire confiance, c'est un traître. Le narrateur traître. Non fiable aussi, oui, tout à fait. Ça pourrait être non fiable. Ben, je vais me l'écrire, ça tient. Hop. Non fiable ou traître. Parce qu'il n'y a pas raison que je marque pas mon idée à moi aussi. Non, mais des fois. Ok. Salopio de narrateur. Eh, hey, bonsoir le chimiste. Comment ça va? Tout se passe bien pour toi? T'es rentré du boulot? Bon, tranquillou, hein, j'avais dit qu'à 5 visionnages, 5 viewers, je ferai une seconde vidéo. Donc là, vous êtes 6, je suis obligé. Tu arrives. Alors, j'imagine que c'est une faute de frappe, mais je trouve ça très drôle. J'arrive d'Écorse. Non, c'est bon. Non, je trouve ça drôle. Pardon. Autant pour moi. Ouais, j'avais compris. C'était juste drôle, c'est tout. Donc, je poursuis ma descriptive des étiquettes.
Donc, ensuite, on va dire où ça se déroule. D'accord? Et ensuite, les objets. Si on a écrit des objets, il y a aussi la liste des étiquettes d'objets. D'accord? Et donc, on va aussi pouvoir dire quand se déroule la scène. Quand se déroule la scène? On ne se rend pas compte là, mais on peut lui dire à quel moment ça se déroule. Soit dans un calendrier grégorien, soit un calendrier alternatif qui sera votre calendrier. Alors, grâce aux questions du chimiste la semaine dernière, j'ai ici cliqué sur. Alors, il faut que je remonte un peu. J'ai cliqué sur la moins, le plus loin possible. Alors, j'ai pas fait le plus loin possible parce que c'était très long. Mais on peut remonter jusqu'à moins 10 000 ans. D'accord? Donc, j'imagine qu'on peut remonter à plus 10 000 ans. Et probablement plus. Probablement plus. D'accord? Et donc, à chaque fois qu'on va choisir un truc, donc là, par exemple, c'est le 7 novembre 2033. Donc, 2033, novembre. 7 à 19 h 00. J'aurais pu donner aussi des minutes et tout. D'accord? Ok. Et puis ensuite, à quel fil narratif appartient la scène? Donc là, cette scène-là, la première scène du premier chapitre, c'est Mark Sanders tente de survivre. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde, bien évidemment. Pouf. Et je vais faire ça pour toutes mes scènes. Chaque fois que j'écris une scène, je décris grâce aux petites étiquettes. D'accord? Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Dans la création d'un chapitre, on a aussi deux petites fiches, sa raison d'être et des notes qui pourraient nous servir plus tard. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Genre pas le même calendrier. Alors, je vais pas le faire sur le mien parce que j'ai peur qu'il me flingue mes dates. Oh, pff, encore qu'on s'en fout en fait. Tiens, regarde, tiens, je vais me flinguer mon truc. Dans les étiquettes, hop hop hop, j'ai passé en mode calendrier alternatif. Et alors là, je vais dire quoi? Je vais dire que ça se passerait dans l'Empire Galactique, dans le jeu de rôle de l'Empire Galactique. Donc on serait en 10, en alors le 7, je vais rester en 7 novembre. 7 novembre 15 505, 405, 404, voilà. Et puis il serait 17 h 12, heure de 30 heures. Et donc là, il va garder ça. Qu'est-ce qu'il me fera après? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Mais donc, on peut choisir son propre calendrier. Je te montrerai après. Enfin, je vais pas le faire jusqu'au bout, parce que le calendrier, je ne suis pas sûr qu'il le prenne en compte. Par contre, je vais te montrer ce que ça donne avec le calendrier grégorien. D'accord? Ah, c'est des slashes en plus. Alors tiens, si je le fais avec des slashes, est-ce que ça change quelque chose? Slash 2 slash machin, je enregistre et après c'est des deux points, espace deux points. Donc là ça marche. Bah écoute, on va voir. Tiens, on va voir. J'enregistre et je return. Donc oui, le chimiste Empire Galactique est un très bon choix. Hop, je suis très bien achalandé en Empire Galactique chez moi. Je l'ai le jeu de rôle. D'ailleurs, je suis en train de préparer le nouveau site de l'Empire Galactique. Officiellement, pas officiel. J'ai tous les bouquins. J'en ai même un. Et ben, il est dédicacé par François Nédélec lui-même. Pardon. Pardon du peu. Donc, je poursuis. Donc, les étiquettes, c'est fait. Ouais, carrément, doublement, carrément intéressant. Donc là, ici, j'ai fini mes scènes, d'accord? Alors, je disais sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est qu'est-ce que vient foutre ce chapitre dans l'histoire? Est-ce que c'est un moment fort? Est-ce que c'est un moment pas fort? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui vient faire dans l'histoire? Est-ce que c'est le moment où on ajoute une intrigue? Est-ce que c'est un moment... Bref, quelque part, à aucun moment dans un roman, en fait, il ne devrait y avoir un chapitre où une space, où, qui ne serait pas utile à l'histoire, d'accord? Ce n'est que mon avis, bien évidemment. Oula, encore une fois, je ne suis pas un auteur de référence. Je ne fais que vous faire part de mon expérience perso. D'accord? Je n'ai pas de méthode à suivre. D'accord? C'est mon expérience perso à moi perso. Personnellement. Donc, une fois qu'on a écrit tout ça sur ces chapitres, blablabla, on a donc. Hop, on peut revenir ici. On a donc tous ces chapitres qui vont se remplir. Ok? Et donc, maintenant, je vais pouvoir cliquer sur chronologie. Tadam! Et donc, là, évidemment. J'ai pas tout fait, je les ai remplis uniquement pour vous montrer ce que ça peut donner.
sinon la chronologie n'est pas remplie. Donc là, j'ai tous mes chapitres les uns derrière les autres, tels que je les ai saisis, dans l'ordre où je les ai saisis. Ou alors, hop là, ici, voilà, j'ai l'ordre dans lequel la chronologie se déroule, avec l'heure. Tiens, bah d'ailleurs, il m'a mis mon calendrier alternatif. Bah, il les classe pas d'ailleurs. C'est vous qui les classez quand même avec en glissant les chapitres les uns sur les uns à côté des autres. Ça reste bon. C'est logique, remarquez, parce qu'on peut faire des flashbacks en plein milieu d'une chronologie, et c'est pas pour autant que le logiciel doit se permettre de vous le refoutre à l'arrière. D'accord? Ça doit rester là où c'est. Donc là ici, voilà, on a temps par temps, chaque scène, d'accord? Et c'est ce qui me fait dire que on est bon, presque bon pour un scénario de film. À mon avis, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin d'être bon là-dessus. D'accord? Ok. Donc là ici, une chronologie parfaite. D'accord? Enfin, presque parfaite, faut que je la fasse pour tous les autres. Et puis, tadam, attention, tadam, tadam. Et ben tadam, non, pas tout de suite. D'abord, je vais faire une petite pause. Je vais me chercher un truc à boire. Vous bougez pas, je vais me chercher un truc à boire. Je commence à avoir un peu soif. En faisant en sorte que mon micro se casse pas la gueule. Ça fait du bien de marcher un peu. Les fans ont reconnu ma collection Dragon Ball derrière, bien sûr. Alors, et donc avant la fin, pouf, je vais repasser en mode promo parce que je voulais reparler des gens qui m'ont fait confiance sur les petites interviews, par exemple. Je vous rappelle que sur partagelecture.overblog.com, eh bien vous pouvez trouver un échange questions-réponses entre Catherine qui est la tenancière de ce blog, qui est la bibliothécaire enchantée sur Twitter, et qui a bien voulu me laisser un petit moment de visibilité en me posant quelques questions rigolotes. Mélanie de Mélanie Bookin a fait la même chose, avec d'autres questions. Et vraiment, c'était vachement intéressant de répondre à ces questions parce que ça m'a permis d'être un petit peu introspectif et puis de ouais, déconner 2 minutes avec quelques exemples, quelques questions. Et puis bientôt, sur les lectures d'Angélique, vous trouverez une chronique de Nouvelle Conscience. C'est pas tout de suite, d'accord? Elle est en train de le lire, elle est en train de le rédiger, la chronique. Et je lui ai demandé si je pouvais en profiter pour faire sa propre pub avant même la publication. Elle m'a dit que ce serait avec plaisir. Donc voilà, les lectures d'Angélique publieront bientôt une chronique de Nouvelle Conscience. Et puis donc Nouvelle Conscience, qui est donc mon roman à moi, tac, que vous trouverez sur Amazon, et grâce à Nouvelle Couverture, d'accord, qui est bien plus visible et qui est bien plus parlante pour le commun des lecteurs, ou vous-même. C'est donc un bouquin qui va vous parler d'intelligence artificielle, un petit peu de développement. Ça vous permet de comprendre comment on construit une intelligence artificielle, mais aussi voilà, qui vous emmène dans un délire de police politique, pas politique, pardon, policier science-fiction, puisque dans les trois développeurs qui vont créer l'intelligence artificielle, qui s'appelle LIAM, l'intelligence artificielle Millennials, eh bien, il y a des tensions et à bout d'un moment, la police est obligée d'intervenir et elle se retrouvera aux prises avec un hacker fantôme et insaisissable. Mais qui est-il? Voilà. Donc ça, c'était pour ma petite auto-promo. Merci d'être resté jusque-là. Donc, revenons à nos moutons, Bibisco. Donc, pour terminer. Pour presque terminer sur la présentation de ce logiciel qui est pour moi une révélation et qui va me permettre, jusqu'à ce que je découvre d'autres choses, qui va me permettre de développer toutes mes histoires. Ça, j'en suis presque sûr. J'ai essayé Scrivener et il était bien aussi, hein, il était bien aussi, mais comment dire, je l'ai trouvé moins souple et puis plus verrouillé en termes d'export. Je vous montrerai après pourquoi. Donc les analyses. Ouais, je comprends bien, mais moi je serais plutôt team Bibisco, tu vois. Ouais, team Bibisco, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc l'analyse, eh bien accrochez-vous à vos bretelles, parce qu'il va prendre en compte toutes les étiquettes qu'on a posées partout, et il va vous montrer à quoi ressemble votre livre avec des schémas.
Donc, ici, mon premier chapitre, voilà, on peut voir 336 mots. Mon deuxième chapitre, voilà, avec les différents mots, on peut voir qu'il y a un gros déséquilibre dans les chapitres. D'accord? Mon chapitre 5 est très très fourni. Mon chapitre 6, il est aussi fourni, mais les autres sont très pauvres encore. Donc, est-ce que c'est un problème de mon organisation à moi, de ma chronologie? Est-ce que c'est un problème de lâchage d'écriture? Est-ce que j'en dis raconte trop là-dedans et pas assez dans les autres? Ça me permet de me poser la question. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon bouquin pour que ça soit aussi déséquilibré? Ensuite, on a la distribution des personnages, où les personnages apparaissent, d'accord, et combien de fois on les voit. Alors c'est pas combien de fois on les voit, c'est on le voit dans le chapitre. Pardon. Ouais, le découpage, c'est pas super simple. Il y a. Alors j'avoue, je ne comprends pas trop. 55, 56, 11, 11. Distribution des personnages. Un pourcentage! Oui, bien sûr, c'est un pourcentage. Donc on parle du personnage de Victor Lamarche, 55% dans le bouquin. Et d'Iselan, d'Edgar, de Marc, etc. On en parle, voilà. Ah, c'est pour ça, c'est les pourcentages en fait. Ok. On va descendre et on va voir que où, dans quel chapitre on parle des personnages. Donc Ombre, on n'en parle que dans le chapitre 4 pour l'instant. Antoine, que dans le chapitre 5. On voit que Edgar, en fait, c'est le garde du corps de Victor, qui est le maire. On en parle dans trois chapitres différents. On voit que Iselan, on en parle un peu au milieu, un peu au début, un peu à la fin. On voit que Marc, on en parle beaucoup à la fin, enfin au début. Et Victor, on en parle un peu partout. C'est mon deuxième personnage principal. Donc on peut voir aussi donc la répartition de la présence des personnages, qui est assez intéressante pour moi. Mais c'est ce qui me fait dire que ce personnage est prêt pour un découpage de scénario. Pré-BD, pré-film. Moi, je me dis que ça, comme aide scénaristique ou de préparation d'un tournage, ça doit être pas mal quand même. Parce qu'on doit savoir quand est-ce qu'on a besoin d'un personnage. Par exemple, si j'ai besoin de l'actrice qui va jouer Iselan, eh bien je sais que je vais lui faire tourner la scène du chapitre 2, du chapitre 5, 6 et 9. Et ça va me permettre de réunir mes acteurs de façon plus optimum. À mon avis, c'est à ça que ça sert. Ici, la liste des apparitions et des personnages, donc à l'heure, la date, les lieux où ils apparaissent et dans quelle scène et dans quel chapitre. Donc là, Antoine, etc., on a un autre découpage. D'accord? Des fois que ce découpage là ici vous parlerait pas, là ici vous avez une autre vision. Et ça va être, à mon avis, c'est aussi vachement intéressant. Ce qui me manque, c'est de pouvoir cliquer sur la scène pour pouvoir s'y rendre. Ça, c'est un truc qui manque. Ça fait partie des choses que j'ai demandé, que je vais demander au Père Noël Bibiscou. Et donc là, quand on a une date et une heure, eh bien en fait, on l'a ici, la date et l'heure. D'accord? Et donc on sait voilà, si, à quel moment se passe la scène dans notre chronologie. C'est aussi, me semble-t-il, assez intéressant. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, donc là je l'avais plus rempli pour Mark Sanders, qui va se téléporter en 15404 dans l'Empire Galactique, si j'en comprends bien ce qu'a voulu écrire l'auteur. Je ne suis pas sûr qu'il sache de quoi il parle l'auteur d'ailleurs. Voilà, on les a tous là. Ensuite, on a les lieux avec le même type de distribution. Donc, là aussi, je soupçonne une vision à moyen terme ou long terme sur une projection sur le film. Et puis là, donc pareil, le découpage. Et la distribution des fils narratifs. Voilà, qu'est-ce qu'ils prennent de place, etc. Ah ouais, globalement, la téléportation va lui faire, ouais, ça va lui faire bizarre un peu, ouais, c'est clair. Encore que ce qui est intéressant, c'est que. Je viens de me rendre compte que dans mon troisième bouquin qui est en préparation aussi, qui s'appellera la quête du souffle, qui s'appelle pour l'instant la quête du souffle, j'ai un personnage qui passe d'une planète à l'autre, d'un monde à l'autre. Et donc fatalement, ils n'ont pas le même calendrier. Et ça pourrait aussi lui faire tout bizarre de se retrouver. Tout à fait, ça va être intéressant. Donc là ici, les fils narratifs, avec leur apparition. Pardon, leur apparition dans quel ou quel chapitre. D'accord? Donc on voit que l'arc narratif Marc tente de survivre s'arrête au chapitre 4. Et pour l'instant, il ne reprend pas. Est-ce que ça peut être une piste sur savoir ce qui lui est passé, ce qui lui est arrivé? Je vous laisse à vos digressions et à vos réflexions. Là, ici, on a aussi la possibilité de voir l'utilisation du point de vue. C'est aussi intéressant, je pense, de voir à quel moment on parle au personnage, on parle au lecteur, et quand est-ce qu'on digresse sur d'autres choses.
Après, je suis conscient que ça n'intéresse pas tout le monde. Et d'ailleurs, moi-même, ça tout ne m'intéresse pas. Mais franchement, quand j'ai vu au moins ce passage-là, quand on voit qui intervient quand, là, moi, je me dis, pour mon bouquin, c'est vachement intéressant. Pour replacer tout dans le contexte, c'est super intéressant. Voilà, pour l'ensemble du logiciel Bibisco. Il nous reste à voir l'export. Il nous reste à voir l'export. Et là, c'est pareil, on a la possibilité d'exporter dans plusieurs façons, de plusieurs manières, sachant que le format ePub, par exemple, n'était pas disponible dans la version gratuite. Mais dans la version gratuite, vous avez quand même l'export en PDF et l'export en DOCX et en TXT. Donc là, si j'exporte en PDF, il va me demander qui est l'auteur, mais où je vais pouvoir l'enregistrer. Donc là, évidemment, j'ai déjà un répertoire sur ma clé USB, là, sur ma carte SD, pardon, avec un répertoire d'écriture. Morphy avait raison, d'accord? Dans l'écriture, j'ai plusieurs histoires qui sont déjà Jacob Elguéni, qui est déjà présent sur mon blog, que vous pouvez lire sur mon blog. Le 28e cercle, oh là là! Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu celui-là. ePub, PDF, doc, tout à fait. Donc on peut tout faire. Donc là ici, je ne vais pas vous le faire une nouvelle fois parce que je l'ai déjà fait une fois. Et est-ce que je peux partager? Je vais vous montrer Bibisco. Je vais vous montrer un des exports. Ça c'est Morphy avait raison. Alors la nouvelle, clac clac. Bon, pour l'instant, on ne voyait rien, j'en suis conscient. Et le projet. Clac et clac. Et ça, je vais le mettre en partage sur tout, 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 ça et ça. Ok. Maintenant, je retourne dans mon Twitch Studio. Et dans Principal, je dois ajouter un partage d'écran. Si je me trompe pas. Et dedans, je vais chercher mon lecteur PDF. Clac. Que je vais mettre, hop là, ici, token, token, pardon, hein, je fais ma petite tambouille pendant que vous avez le dos tourné, hop, ouais, je vais prendre toute la place, ok, pouf, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon PDF ou pas, dites-moi. Pendant ce temps-là, je bois un coup. Merci, merci Ivanka. Nickel. Donc, ce PDF, en fait, l'export en PDF, comme l'export en .doc d'ailleurs, il a généré deux fichiers. Il a généré un fichier ici où on voit Novel et un fichier où on voit Project. Il a bien généré mon roman. Donc là, ici. Je suis bien sur Novel. Ah, c'est un vieux. J'aurais dû le faire quand même. J'aurais dû le faire quand même. C'est pas grave. Donc là, il vous donne le nombre de pages en A4, d'accord? Donc la police de caractère, elle dépend évidemment de votre choix, ok? Mais là ici, lui-même, il a découpé en chapitres, ok? Chapitre 1. Ah merde, il n'y en a qu'un. Crotte. La couverture, l'introduction. Voilà, chapitre 1, etc., etc. Et vous avez aussi le projet, auquel cas vous avez ici le projet en cours. Ah, mais du coup, vous voyez pas grand-chose. Bah, je vais augmenter la taille du truc alors. Non, en mode largeur. Mode largeur, ce serait bien ça. Pleine largeur. Voilà, donc le projet de roman. Ok, et donc là, il vous rappelle la structure, l'idée première, le plan, l'environnement. Et il va vous reprendre comme ça les fils narratifs. Les personnages principaux et ainsi de suite. D'accord? Donc vous allez pouvoir avoir sous la main tout un fichier qui reprend l'ensemble ici de vos personnages, de vos lieux. Nia, 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 nia. Ici, personnages secondaires, Iselan, Monsieur Étienne, Edgar, Rodrigo, les lieux avec le bâtiment de 30 étages, le bureau du maire, les chapitres. Voilà. Donc là ici, on voit que le chapitre, on voit sa raison d'être. Donc chapitre 1, introduction, tac, sa raison d'être. On aura donc évidemment les chapitres 2, etc. Ok? Non, je ne vais pas fermer les onglets pour l'instant.
Donc ça, c'est aussi, me semble-t-il, vachement intéressant, surtout au moment où vous devrez envoyer votre document à une maison d'édition. Il n'y aura pas besoin de faire de la mise en page, une mise en page quelconque. Si vous vous contentez de ça, normalement, vous avez un projet qui est plutôt bien, bien fait. Si je reprends, hop, si je reprends où j'en suis, au diable, voilà, ok, si je reprends Bibisco, je vais quand même le faire l'export PDF pour vous montrer. Clac. Donc ça ici, je suis bel et bien dans Bibisco, je sélectionne le projet et j'enregistre. Donc là, e-carbure. Ça prend plus ou moins de temps suivant la taille du fichier, bien évidemment. Donc là, je suis à 45 000 mots, ça devrait me faire quelque chose comme 130, 130 ou 140 pages. A4. Ce qui veut dire que si vous êtes en mode roman, en mode poche par exemple, ou en mode roman, vous avez plus de pages, bien sûr. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, il me montre dans le répertoire Bibisco. J'ai bel et bien de nouveau. Alors je vais les classer par date. C'est ça. Exactement. Donc là, ici, je vais aller chercher. Oups. Écriture. Murphy avait raison. Bibisco. Et donc là, je vais prendre modifier et je vais prendre de nouvelles et le projet. Clac. Ok, donc celui-là, 14 pages, m'en fous. Celui-là, c'est mon projet, m'en fous aussi. Ok, donc là, ici, on voit que j'ai bien un document de 212 pages. Il y a plus que je le croyais d'ailleurs. Clac, d'accord, 212 pages pour l'instant. Et donc, en termes de lisibilité, on a un espacement, on a un interlignage qui est propre, d'accord. Ici, dans les dialogues, c'est tout à fait lisible. Ok. Si vous n'avez pas d'effet de page, c'est-à-dire de, à un moment donné, vous voulez absolument qu'il se passe un truc à la fin de la page, ok, il n'y aura pas de souci. Si vous voulez que ça se termine à la fin du chapitre d'une façon, d'une certaine façon, là c'est à vous de le gérer. Fin de chapitre, pouf, je passe au chapitre suivant et j'ai bien, ouais, j'ai bien mon effet de surprise voulu. Donc là ici, voilà, donc là on voit bien hein, 212 pages, aucun souci pour l'exporter. Mon projet fait 47 pages au total. Clac, clac, clac. Et donc là ici c'est pareil. Il y a beaucoup plus que tout à l'heure. Voilà, je peux descendre plus. Voilà, pour avoir ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire. Voilà, là on a tous les chapitres. Chapitre 1 avec sa raison d'être. Chapitre. Ça c'est l'introduction et sa raison d'être. Chapitre 1 avec sa raison d'être. Je ne l'ai pas fait pour chapitre 2, honte à moi. Chapitre 3, etc. etc. D'accord? Donc là aussi, ça vous permet de garder un œil sur, sur vos travaux. Tac. Ah, mais vous l'avez peut-être pas vu parce que j'ai oublié de changer la page, c'est ça? Ah, vous pouvez pas me le dire. Là, c'est malin. Bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Tant pis pour Vux. Donc, eh bien, donc, ensuite, on peut évidemment lire les fichiers doc et exporter en tant qu'archive. En fait, ça vous fait une copie de votre répertoire de travail. Donc, ça n'exporte pas en fichier lisible. Ça exporte un fichier qui s'appelle un fichier JSON. D'accord? C'est une sorte de XML du 21e siècle. Et ça exporte tout votre fichier qui ne sera pas lisible par vous-même. D'accord? Donc, n'oubliez pas de faire vos exports aussi comme ça. Donc, la sauvegarde, évidemment. Ok, mais aussi un export régulier, d'accord, je dirais une fois tous les 2-3 sessions d'écriture, c'est pas si mal. Ok, ça vous permet d'avoir une trace durable. Voilà, 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 et eh bien voilà. Ah, mais attends, attends un peu. Partez pas tout de suite, j'ai aussi un truc à vous montrer, et du coup. Tac.
Je fais ça. Restez avec moi 2 secondes. Restez avec moi 2 secondes. Je prépare un truc vite fait sur le pouce. Hop. Une sauvegarde de ça. Je fais vite, hein. Je fais vite. Restez là, restez là, restez là. Je fais vite. Je fais vite. Clac, clac. Ça. Alors, je vais ajouter une image. Non. Je vais dupliquer une image. Donc ça, j'enregistre. Je passe en mode promotionnel. Parce que je vais vous remontrer un dernier truc. Voilà. Ça. Clac, clac. Ouais, j'ajuste, clac. Donc oui, je voulais juste vous dire que sur le site Script, vous avez la possibilité de lire une de mes, enfin la première chronique de mon bouquin. On parle, donc je vais vous le mettre en lien, tac. On y parle de mon bouquin, on y parle aussi jeu de rôle, un petit peu de moi aussi, mais surtout on y parle de mon bouquin. Donc c'était ma première, voilà, ma première chronique. Iso, qui est le tenancier de Script, qui est un site dédié au jeu de rôle, était très très enthousiaste. Et donc voilà, il a eu la gentillesse de me faire ce petit texte, qui est super cool. Voilà. Je ne voulais pas passer à côté sans lui faire un petit coucou. Salut Iso, merci encore. Voilà. Eh bien, je crois que j'arrive au bout de mon heure 30, plus ou moins, 18h27, et c'est pas cool ça. Nos échanges m'ont fait bien plaisir. J'espère que la sauvegarde 14 jours a bien été effectuée par Twitch, parce que j'ai bien coché la petite case cette fois-ci. J'espère que ça va le faire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré? Ça, c'est mon côté prof qui ressort. Est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous auriez voulu voir d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient intéressé? Oui, mais je ne peux faire de YouTube que si l'enregistrement a été fait convenablement, le chimiste. Et donc, voilà, si ça a été fait correctement, je le ferai. Et si ça n'a pas été fait correctement, je serai dans le même état que Céline. Après notre table ronde, je serai décomposé. Ah, j'en suis ravi, dis-je, que ça t'ait plu. Tu en parleras à tes copines alors, c'est ça que tu avais dit, hein. Tu les emmèneras sur le replay, si tant est qu'il y a un replay dispo. Dépité, ouais, complètement. Alors là, je comprends totalement, c'est exactement dans le même état que j'étais la semaine dernière quand j'ai fini la même présentation. Et que ça a donné le même résultat que toi. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, je vais pas te taper dessus pour ça, parce que je sais que on est lié à la technique. Oui, c'est pire parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde en plus. Ah, il y avait. Ah, mais attends, mais du coup, c'est facile. Tu peux pas faire un doublage. Si tu répètes. Alors là, on est tous réunis, c'est cool. Merci. Robert Forge, à toi la parole. Non, tu peux pas faire un doublage comme ça, au-dessus? Ah, mais tu brodes! T'es auteur, t'es autrice, tu peux, grave! T'as toute la matière grise pour le faire. Alors, à vous les studios, je vous rends la parole. Oh, mais c'est super intéressant ce que tu dis, Robert Forge. Ah oui, ah oui. Ouais. Alors, si t'attends, Nikolaevitch peut te faire des dialogues. Et puis si t'as besoin d'images, tu peux toujours demander à Chipo. Oula, le micro qui se barre encore la gueule. Ou alors on fait une œuvre collaborative. Ah, on se fait un petit Kalarikski sur Heure et Malheur de Céline Badarou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait drôle, faudrait le lancer. Mais il faut t'attendre à du catastrophisme, à du drôle. J'ai entendu les réflexions, ça pouvait aller loin. Hein. Faut attention, attention.
Alors, ben, j'espère bien, Ivanka, que ça te booste, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et donc, comme j'avais dit qu'après 5 viewers, j'allais faire une autre vidéo, et ben alors, quoi donc Ha! Alors, en ce moment, je donne un cours dans un organisme de formation sur l'écriture. J'ai établi 2-3 trucs pour écrire des histoires. Je peux vous le faire en live. Je peux vous le faire en live. Comment vous sortir les neurones pour inventer des histoires? Ça pourrait être sympa, ça. Tu aimerais entendre ce genre de choses? Ouais. Ouais. Alors, je vais jeter un œil sur mon calendrier perso. Ah bah je peux pas, j'ai fermé mes onglets parce que sinon ça rame. Alors. Ah, mon téléphone. Mon téléphone. Ah oui, sur mon téléphone, ça va être marqué sur mon téléphone. Merci Alors, on est d'accord. Hein. Pour les lives, ton pseudo, ton sobriquet de couple, ce sera Moumoun. D'accord? Alors, en ce moment, j'ai besoin de me sortir une neurone. Mais je comprends bien que tu as besoin. Alors, la semaine prochaine, à la même heure, ce sera pas jouable. Ce sera pas jouable. Est-ce que c'est dérangeant si c'est pas les mêmes horaires? Dites-moi. Est-ce que c'est dérangeant si c'est pas les mêmes horaires? Et surtout, quels horaires vous conviendraient le mieux? Sachant que ça pourra pas être lundi et ça pourra pas être mardi, de toute façon. Ah, puis pas mercredi non plus. Pas d'idée sur les horaires. Ça pourrait être que jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi. Ou alors ce week-end. Ou alors ce week-end. Est-ce que ça vous brancherait un samedi comme on a fait avec la table ronde avec Céline? Les horaires, ça te va, toi? Moumoun? On est d'accord? De samedi? Bah, c'était la table ronde qui a duré 2 heures. Et qu'on n'a pas de sauvegarde. 17h45, 19h45. Ouais. Oui, d'accord. Eh ben, alors, on dit samedi, alors. On dit samedi, voilà, mêmes horaires que... Enfin, mêmes horaires. Je vais voir pour caler ça. Alors, je vais vous le mettre là tout de suite. Mais oui, je sais, mais je te taquine, Céline. Donc on dirait que ça serait samedi prochain de 17h. Ah, je vais peut-être me déranger un petit peu. 17h-19h, pour que ça fasse pas trop tard. Est-ce que ça vous irait? Regardez vite fait vos planinges. Vous avez droit, ça me va, ça me va pas et m'en fous. Yep, c'était pas dans les réponses. Edwige, tu sors. Ok. Maintenant, je connais pas bien les disponibilités du réseau Twitch, du réseau auteur, du réseau machin. D'accord. Ah, ok, d'accord. Tu es pardonné, Edwige. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ces horaires-là, c'est convenable pour globalement tout le monde? Je vois qu'à peu près pour vous, oui. Mais est-ce que du coup, je pourrais penser que ça se généralise à tout le monde? Ah, pour ceux qui regarderaient le replay, si replay il y a, c'est une petite partie paramétrage que vous pouvez zapper, j'ai fini de parler globalement. Enfin, pour dire des trucs intéressants, je veux dire. Ok. Donc, vous répondez plus, c'est que c'est bon, on va dire. Ok. Eh bien, écoutez, je pense que potentiellement, tu auras plus de personnes dispo en week-end qu'en semaine à cette heure-là. Ah oui. Oui, c'est possible, tout à fait. Je te remercie de ton avis, Edwige. Et en semaine, ce serait plus vers 18-19, du coup.
Entre 18 et 19 ou après 19? 21, 22? Après 22? En semaine? C'est chiant après 22. Ouais. Bon, pour moi, ça peut être chiant. Mais ok, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Donc on dit en semaine. Plutôt 20h-22h, 18-19h, ça me paraît bien cette semaine. En semaine. Ah, 18-19. D'accord. Ok. Je verrai pour ouais 18 en semaine. Oui, non, mais a priori c'est une heure où les gens sont rentrés du boulot, quand ils sont sortis. On verra, on verra. Je ferai peut-être un petit sondage Twitter si jamais vous êtes dispo. Sinon, restez à l'écoute sur la chaîne elle-même, parce que je vais le mettre dans le planning forcément, d'accord? Et dans la partie bio de la chaîne Twitch, vous pouvez voir mon Instagram, mon Twitter et le prochain compte à rebours vers la prochaine vidéo. Ok, bah écoutez, je vais arrêter là. Je vous remercie bien à toutes et à toutes d'avoir été présents et présentes. Je suis content que ça vous ait plu d'après vos retours. Super! Je suis fan de vous, je vous aime. Allez, allez les écrivains, c'est le nonovrimo, on ne se laisse pas abattre. Et on s'attelle à remplir son créneau. Allez, à ciao, bonne soirée, salut.